François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Bravo, François, bravo. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Eh, hey, il est doué, hein ? Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Ah oui, c'est bien ça. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Il y a pas... Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Oh, le cochon ! Oh, le cochon ! Le cochon. Bon, ça va maintenant. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Pierre, j'en tiens. Comment est-il ? Un champion du monde. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Et ben voilà, impeccable. J'ai bien compris la stratégie. Oh oui, elle est très claire. Allez, allons-y. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République, puisque les conditions sont exceptionnelles. Le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde, sur la planète. Il y a d'où l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là, mais il doit aussi être proche du peuple, être capable de le comprendre. Ça va, il a compris, il n'est pas con tout de même.